L'alternance en Croatie, l'opposition de centre-gauche l'emporte aux législatives. Les résultats partiels donnent une nette avance à la coalition dominée par le SDP, le Parti social-démocrate, sur l'Union démocratique croate, le parti HDZ. Très probable, futur Premier ministre Zoran Milanovic pourrait ainsi conduire l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, prévue en 2013. Ce sera un grand défi d'entrer dans l'Union européenne, dit-il. Nous avons la chance d'être reconnus comme un petit pays ouvert et c'est une énorme opportunité. Affaibli par des scandales de corruption et par la crise économique, le parti HDZ, qui a dominé la vie politique depuis l'indépendance en 1991, passe donc dans l'opposition. Le nouveau gouvernement devra redresser l'économie. La récession est presque constante depuis 2009 et le taux de chômage dépasse les 17%.